Monsieur Ibrahima Sori Doumbia, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes sur guinéinfo.org. Aujourd'hui, blessé, couché sur un lit d'hôpital. Expliquez-nous qu'est-ce qui s'est passé réellement. Oui, bon, moi, je, comme aujourd'hui, déjà dimanche, vous savez, c'est le jour de cérémonie, c'est nous ici. Moi, je venais de quitter dans une cérémonie de baptême. Bon, je suis venu tomber là où M. Bawuri, ex-vice-président de l'UFDG, faisait un meeting. Donc, il avait ses loupards là-bas. Donc, lorsque ces gens-là m'ont vu, ils savent que je suis un homme engagé de l'UFDG et ils disaient tout simplement que c'est nous qui attaquons Bawuri dans les médias. Donc, ils m'ont attaqué. Ça a commencé comme ça. Ils m'ont... Mais qui vous a attaqué? Non, visiblement, je vis Baba Alim, où j'ai vu un petit qui s'appelait là-bas Ablaï. C'est l'été là que j'ai reconnu. Le reste là, je ne l'ai pas reconnu. Parce qu'ils étaient trop nombreux. Mais quand même, j'ai vu Baba Alimou et Ablaï, un petit aussi, que je connais. Lui aussi, on était même ensemble dans les quartiers. Mais je l'ai reconnu quand même. Vous avez dit que vous avez vu Baba Alimou. C'est Baba Alimou, l'ancien. Celui qui avait attenté à la vie du chef de l'État. Il avait même un pistolet à main. Un pistolet à main? Oui. Vous confirmez qu'il avait je un pistolet? Je confirme, j'ai vu Baba Alimou avec un pistolet à main. Donc il avait et un objectif, c'est de vous éliminer parce que vous êtes proche de... C'est Bawuri qui lui a dit de ne pas tirer, ça quand même. Il avait un pistolet à main et il a fait sortir même le pistolet. Mais Bawuri lui a dit, Baba Alimou, non, dépose le pistolet, ne tire pas. Donc Bawuri a vu Baba Alimou avec une arme et Bawuri est intervenu. Oui. Pour que Baba Alimou ne tire pas sur vous. Oui. Et vous confirmez. Parce que Baba Alimou, son intention c'était de tirer sur moi. Mais Bawuri a dit non, ne tire pas. Reviens. Pourquoi tirer sur vous? Parce que vous êtes qui? Parce que moi je suis peut-être le responsable de l'IFDG et nous sommes des engagés vraiment pour mettre l'IFDG en avant. C'est ce qui se trouve. Et je suis à Dixit au niveau de la fédération et tout le monde me reconnaît comme un élément fort de l'IFDG, c'est tout. Ok, merci M. Doumbéa. Merci. Et M. Ibrahima Sori, après que l'acte s'est passé là-bas, comment vous êtes retrouvé ici? Qu'est-ce que le parti a fait? Bon, quand même, lorsque le problème, c'est un jeune qui a pris une moto, vraiment parce que j'étais souffrant. Il m'a déposé au niveau du domicile du président de l'UFDG. Et vraiment, même madame n'était pas présente, mais elle a appelé les hommes qui étaient là-bas pour me conduire dans une clinique. Vraiment, ils sont tous venus. Madame, la première dame de l'UFDG, était venue avec beaucoup de cadres. Il y a le président de la délégation de Dixit qui était venu me rendre visite. Et il y a eu beaucoup d'éléments de l'UFDG vraiment qui étaient venus pour avoir cette sympathie avec moi ici. Ça, quand même, je ne vais pas oublier ça. Ok. Maintenant, après, vous comptez porter plainte ou vous attendez les consignes de votre parti? Donc, comme déjà nous sommes dans un parti structuré comme l'IFDG, je ne peux pas réagir seul ici. Après, maintenant que je retrouve ma santé, je vais me retrouver avec nos supérieurs. On va discuter la suite. Vous avez pu identifier les armes avec lesquelles ils vous ont blessé? C'est des machettes ou bien des couteaux? Non, c'est des couteaux. C'est des couteaux avec des machettes. Ils ont des couteaux avec des couteaux préparés même, des couteaux qui ont des pointillés, tout ça là. Ils ont ça dans leur sac. Ils m'ont attaqué avec ça. Ok, merci beaucoup.